C'est un dernier exercice en classe avant de longues vacances pour ces élèves de 6e primaire. Je peux voir plus souvent mes parents puisque évidemment je les vois moins, ma maman fait des stages, mon papa travaille jusque midi, ça va. Du coup, je suis contente, je peux rester un peu plus à la maison, mais je suis quand même contente d'avoir du travail. Je suis contente, mais je préférais vraiment l'école. Je vais aller chez mes grands-parents, je vais essayer de dormir chez ma cousine. Une semaine en plus de vacances, c'est une semaine en moins de cours. Les nouvelles matières qui étaient censées être vues cette semaine seront reportées à janvier. Un chamboulement dans les programmes scolaires. Le 24 ou le 23, c'est quand même un jour particulier où en général avec les élèves, on fait une petite cacahuète, un petit déjeuner. Et là, pour arriver à vraiment boucler la matière, à qu'on avance et que je sois sûre qu'ils aient vu toute la matière pour le CEB, ben j'ai un peu laissé tomber toutes ces parties un peu chouettes, faire une carte de vœux, enfin, le côté un petit peu plus artistique, mais qui leur apprend aussi énormément et qui est nécessaire en classe. Une garderie sera néanmoins prévue pour les enfants dont les deux parents travaillent, une tournante organisée avec les professeurs. C'était une semaine justement très complexe parce qu'on a dû récolter les attestations de travail des différents parents pour pouvoir recréer nos bulles pour la semaine prochaine parce qu'on doit faire 20 enfants par bulle et donc on est un petit peu dans l'expectative, on ne sait pas s'il y aura d'autres enfants qui vont venir ou pas, de toute façon on doit les accueillir, donc on est occupé aujourd'hui à finaliser, mais voilà, en ne sachant pas ce qu'on va découvrir lundi en tout cas. Les parents auront accès à un dossier d'activité fourni par l'école pour que les élèves puissent continuer à travailler de chez eux la semaine prochaine. La rentrée des classes est prévue pour le 10 janvier.